Tout le monde, donc désolée pour l'éclairage rouge là. Là, je viens de me réveiller, puis midi 17, puis Anthony est pas là. Je soupçonne qu'il a été nous chercher des déjeuners, dîner. Je le soupçonne. On va voir ça quand il va J'ai revenir. raison. Anthony était me chercher un déjeuner. Donc, il y a des fruits, la tomate, il y a des pains. Mais d'habitude, je mange pas les pains. Des patates, du jambon, du saucisse, du bacon. Miam, miam. Puis toi, Anthony, La poutine. t'as apporté une poutine. Miam. T'es gentil. Merci beaucoup. Je t'aime. Non plus. Allô, tout le monde. Donc, là, je suis couchée dans mon lit. Si je fais dur. Parce que je fais dur quand je me réveille. Donc, voilà. Puis là, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je vais faire ma salade de quinoa pour ma semaine, comme mes dîners cette semaine. Donc, je vais faire ça plus tard. Faut que je fasse Insanity. Je vais le faire peut-être vers 4 heures, là. 4 heures, 5 heures. 41, jour 41. Faut que je fasse. Je vais écouter. Cette semaine, ça a recommencé l'émission Twisted. Donc, je vais écouter ça. Puis peut-être rattraper. Dans le fond, j'ai des épisodes à rattraper dans The Good Wife, The Heart of Dixie, The Carrie Diaries. Je passe deux épisodes. J'ai rattrapé Vampire Diaries. Puis Pretty Little Liars, je pense, un épisode. Donc, je rattraperai pas tout ça, mais je vais écouter Twisted, puis peut-être un épisode de Good Wife, parce que j'aime vraiment ça. Ouais. Donc, voilà. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, ça a des quinoas, écouter des émissions. Il me reste une brassée de linge à faire. Le ménage est pas mal tout fait. Peut-être nettoyer la salle de bain. Tu vas nettoyer la salle de bain, Anthony? Non. Non, Anthony, il fait pas grand ménage. Mais il cuisine. Puis moi, je fais le ménage. Puis je cuisine moins. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oh oui! Ok, ça c'est important parce que je reporte tout le temps, là. Mais je veux organiser ma pièce maquillage, ben, mes tiroirs de mon rangement parce que je veux tourner mon rangement maquillage. Pas mon rangement, ma collection de maquillage. Fait que je veux juste comme tout ré. Pas réorganiser, mais tout bien placer mes tiroirs. Parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis un bout. Puis, ah, oh, j'ai une autre chose à faire, je viens de penser. Mais. Mais. J'ai acheté des genres de classeurs au bureau, en gros, pour mettre tous mes papiers importants. Donc, mais beaucoup de papiers pour les impôts que je dois classer. Je vais trouver comme, mettons, tous mes reçus de passe de bus, puis plein de papiers importants. Là. Je vais tout classer ça, puis ça va prendre un petit bout. Puis je vais faire ça aujourd'hui. Bon, alors, j'ai écouté mon épisode de Twisted, puis en passant, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau, cet épisode-là. Puis là, je me suis dit que j'allais faire ma salade, ben, dans le fond, ma salade de quinoa pour mes lunchs la semaine. Là, c'est la deuxième fois que je fais du quinoa de ma vie, là. Fait que je vais essayer de faire une quantité pour que j'en ai assez pour toutes mes lunchs cette semaine. Parce que, dans le fond, je travaille pas 3 jours, mais 4 jours cette semaine, donc 40 heures. En tout cas, ça me fait 5 repas, parce que le mardi, je dîne et je soupe. Quoique je dînerai pas et souperai du quinoa, mais au moins toutes mes dîners. Donc au moins 4 repas. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est le quinoa du Costco. Donc c'est un petit organique, biologique, protéines complètes, puis pré-lavé. Donc sans gluten. Donc voilà. Puis là, j'improvise un peu. Ah oui, ça par contre, à cause de Karel, elle a dit qu'elle l'avait fait cuire dans de l'eau, du jus de pomme. Et du bouillon de poulet. Dans le fond, moi, j'ai du concentré de bouillon de poulet. Donc, je vais mettre juste comme quelques petites gouttes, là, parce que c'est du concentré. Et j'improvise, là, pour qu'est-ce que je vais mettre. Donc, j'ai de l'origan que je vais mettre dedans. Je vais mettre des pois chiches. Donc, j'avais acheté les blancs, là, comme ça. J'ai du persil et... Je me rappelle plus quelle autre herbe là, parce que les deux herbes ici. Là, j'ai deux oignons, mais j'aime vraiment les oignons, fait que je vais sûrement en ressortir une autre. J'ai un concombre ici, j'ai des céleris. J'ai des carottes, peut-être que je vais rajouter des carottes, je sais pas. Puis, je vais mettre un petit peu de fromage feta aussi. Puis, pour ma,
comme la sauce. J'ai le jus de citron ici, je mets du sel poivre, puis je vais voir si je rajoute quelque chose d'autre. Donc, on va y aller au goût. Donc, pour l'instant, j'ai coupé tous les légumes, je les ai mis dans un gros pot. Donc, j'ai des concombres, oignons verts, oignons normal, persil, coriandre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça sent bon, tu dis? Céleri aussi. Donc voilà, ça donne ça. Puis là, je vais ouvrir. Il me reste le fromage feta à mettre. Je vais pas mettre de carottes ni de tomates cette fois-ci. Donc ça va être très vert. Puis je vais rajouter ces céleri pois chiches aussi. Puis je vais faire ma sauce après. Donc voilà, ça c'est après avoir ajouté les pois chiches, comme vous pouvez voir. Et aussi, j'ai coupé plein de petits morceaux de feta. C'est celui-là que j'ai utilisé, là. Donc, j'ai mis ça dans un gros pot. Puis, juste de même, ça a l'air genre délicieux. Puis là, je vais faire cuire le quinoa. Donc, pendant que mon quinoa cuit, était en train de cuire, j'ai fait ma genre de sauce. Donc, j'ai mis du jus de citron. De l'eau parce qu'il y avait trop de citron, parce que je l'avais mis, j'ai pris ça, j'avais mis comme 5 cuillerées à soupe environ, fait que j'ai rajouté, c'est quasiment l'équivalent en eau, là. De toute façon, il m'en fallait assez pour tout ça. J'ai mis sel, poivre, puis origan, donc voilà ce que j'ai mis. Quand c'est là-dedans, j'avais déjà mis du persil et de la coriandre, donc ça devrait être bon. S'il m'en manque, j'en ferai d'autres. Puis voilà ce que ça donne. Donc je me suis fait, ça en a donné beaucoup, j'ai fait 2 tasses de quinoa pour 4 tasses, dans le fond 2 tasses d'eau plus 2 tasses de jus de pomme. Puis j'ai mis 2 cuillerées à soupe de concentré de bouillon de poulet. Donc je vais goûter à ça, puis là c'est dans le fond pour mes lunchs. Fait que j'ai séparé mes lunchs, je vais mélanger ça ensemble, puis je vais vous montrer ça après. Donc voilà ce que ça donne, puis oh mon dieu, vraiment 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 délicieux. Puis j'ai eu assez de la sauce là, comme je vous avais montré. Puis enfin, il n'y a aucune huile là, dans la sauce, c'est ça. J'avais mis 4-5 cuillerées à soupe de jus de citron, et à peu près égal d'eau, puis sel, poivre, puis origan à l'œil là, c'est au goût. Puis j'y ai goûté là, comme avec mon doigt là, pour être sûr. Puis ça marchait pour, regardez là. C'est vraiment énorme là, comme quantité, fait qu'il n'y a aucune huile dedans. C'est trop, trop, trop bon. Donc, ça m'en a fait vraiment, vraiment beaucoup, là, 2 tasses de quinoa, mais comme Anthony a goûté, puis il a dit qu'il en emporterait dans ses lunchs. T'as dit que c'était bon, hein, Anthony? Oui. Il a dit que c'était bon. Puis tu disais que tu n'aimais pas le quinoa en plus. Ouais, puis il l'aime. C'est super bon, ça goûte vraiment beaucoup. Puis, parfait de légumes, je trouve, là. J'aime ça qu'il y ait beaucoup de quinoa pour les légumes aussi, là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, je vais mettre ça dans les pots pour mes lunchs. Donc, voilà tous les plats que ça m'a donné. Puis, c'est des gros plats pleins. Donc, c'est mes 4 dîners à mon travail cette semaine. Ça, c'est Anthony, il y en a 2. Donc, oui, j'en ai plus, mais... pour lui, 2, c'était correct, là. Il va manger d'autres choses de toute façon. Fait que j'ai mes 4 dîners, donc lundi à jeudi, puis mardi, j'ai un souper aussi. Mais on a des restants de... Ben non, j'ai les restants que j'avais fait l'autre jour, les pâtes. Fait que je vais emporter ça comme mardi aussi. Puis c'est vraiment bon. Peut-être à côté, je vais emporter... Ben non, mais ça va me remplir, là. Mais sinon, peut-être des petits craquelins avec du thon, là. Ouais, ça va me remplir. C'est super bon. Je suis vraiment contente de ma recette. Là, je viens de faire Insanity, puis je pense qu'on était jour 41, il me semble. Puis là, il est 5h56. Donc, Anthony il était au Pharmaprix pendant ce temps-là. Donc, je sais pas s'il a acheté quelque chose. Là, il doit arriver sûrement bientôt. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un entraînement de 56 minutes, je pense. Donc, là, j'ai pas comme fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Fait que je vais finir d'éditer un vlog. Après, je vais aller dans le bain. Après, il faut que j'organise mes papiers, comme mes trucs d'impôts, tout ça. Puis, mais pas juste impôts, là. C'est juste comme, supposons, mes heures de formation continue que je fais et tout. Parce qu'il faut comme les déclarer à l'ordre,
En tout cas, donc, parce qu'on a un nombre d'heures qu'il faut faire. Tu sais, je vais trouver comme tous mes papiers, tous les organiser, organiser les papiers d'auto, tous les mettre à la même place. C'est comme plein d'affaires, là. Puis en même temps, il faut que je trouve ma prescription quand j'ai été au médecin. Parce que là, c'est ça, faut que je la trouve. J'en ai besoin cette semaine. Donc, voilà. Puis, il me semble que j'avais d'autres choses à faire en plus, là. En tout cas, je vais commencer à faire quelque chose. Mais au moins, j'ai fait Insanity déjà, là. Fait que je suis débarrassée de ça. Souper en écoutant la voix. La table est tassée parce que tantôt je faisais une sanity, là. Donc, puis là j'ai une couverture sur moi. Donc, c'est les frites. Non. Comment non? Pas des frites. Oui. Ils sont même pas frites. Bien sûr. Des Ils sont au frites four. avec Alors, c'est juste des des patates. frites au four. C'est Avec un vrai, il y a le tourne-dos, four. mais moi j'enlève le bacon parce que je trouve que c'est mou là-dessus. Donc, je le donne à Anthony. Donc, on va manger en écoutant la voix. J'ai réalisé que le dimanche, je vloguais pas souvent. Ben, en fait, que oui, je vlog, mais comme pas beaucoup. Puis, c'est parce que je fais pas grand-chose le dimanche. Je fais tout le temps la même affaire. Donc, depuis que je vous ai parlé, ben, j'ai pris ma douche, mes cheveux ont séché tout seul. On a écouté la voix, puis on a soupé. Ah oui, je vous ai montré qu'est-ce qu'on a soupé. Puis là, j'ai mis mon chandail du Target, puis sérieusement, genre, c'est le chandail le plus confortable au monde. Ben, pas au monde, mais vraiment confortable. Puis, j'avais envie d'acheter une autre, comme, d'autres couleurs, mais c'est quand même 24,99 pour un Non, mais le chandail. plus confortable, c'est le mien. Comment ça, le tien? Non, là. Parce qu'il n'y a pas de chandail. C'est ça, fait que je ne sais pas vraiment parler. Mais là, c'est ça. Je pense que je voudrais retourner au Target, m'en acheter une autre couleur. Il y avait corail gris. Je pense blanc et gris. Ça sent trop confortable, c'est fou, là. Je les mettrais comme tout le temps dans ma maison. Puis j'ai mes pantalons du Victoria's Secret, c'est juste. C'est trop confortable. Puis là, il est 11h. 11h26. Donc, j'ai écouté un épisode de The Good Wife. Puis dans le fond, il y avait juste un épisode. J'entends parce que c'est encore en pause. Ça, c'est quand les pauses d'hiver, puis tout ça, là. En tout cas. Puis là, Anthony mange un muffin aux bananes avec un verre de lait. Puis moi, Banane et noix. dans le fond, il restait ça de fraise que j'ai faite l'autre jour. Fait que j'en mangeais une ou deux. Après, on va se brosser les dents, puis on va aller se coucher. Puis Anthony a fait une erreur tantôt. Tu veux-tu leur raconter qu'est-ce que t'avais? Bon, c'est parce que ça, il tentait d'aller au pharmacie, regarder comme quelque chose. Puis, ben, il a décidé de prendre l'auto. Puis, il a été pendant que je faisais Insanity. Puis, c'était à 15 minutes, on s'entend, à Même pied. pas. Non. Même pas. Genre, à 3 minutes en auto, OK? Mais, il a décidé de prendre l'auto. Mais, quand il est revenu, ben, en fait, il n'y avait plus de stationnement parce que. Dans tout le quartier, le Dans. côté gauche est bloqué. C'est ça. Dans tout le quartier, le côté gauche est À bloqué cause pour qu'ils vont déneiger déneiger. cette nuit. Mais c'est Puis. con, ils doivent déneiger une plus petite portion parce que là, il n'y a plus de place pour personne. Mais ouais, c'est J'ai ça. cherché pendant 1 heure et demie. Là, je suis parqué à Il a 20 été. minutes, Ouais, plus loin que le Pharmaprix. il était vraiment, vraiment, vraiment loin pour trouver un stationnement. Ça a pris 1h30 à trouver un J'étais dans un stationnement. quartier qui ne sont pas en train de déneiger. J'étais dans un autre Il est quartier. même pas dans le quartier qu'on est en ce moment-là. Il capotait. Il était comme, il voulait carrément stationner devant la maison puis avoir une ticket. Mais j'ai dit non. Que. Demain, dans le fond, il vient me porter. Ben, il va se réveiller à la même heure que moi, que je me prépare juste pour aller chercher l'auto. Aïe, aïe, aïe. Il fera plus cette erreur, là, Anthony, hein? Je pense que c'est quelque chose comme 6 ou 7 arrêts d'autobus. Même pas dans le même quartier, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, fait que c'est ça, on est fatigué. Je suis tout le temps fatiguée le dimanche, puis je fais rien de la journée. Bonne nuit, tout le monde!